Comment faire un montage sur YouTube Studio? L'application de montage vidéo de YouTube est entièrement gratuite et elle propose des fonctionnalités qui sont à la fois simples et très intéressantes pour réaliser vos montages directement en ligne. On va faire un tour d'horizon des possibilités qui sont offertes par l'application de montage vidéo de YouTube. Je vais vous montrer toutes les étapes pour vous aider à monter vos vidéos dans l'application de montage vous-même juste après le générique. Salut, c'est Olivier Jupré, bienvenue dans un nouvel épisode de Stratégie Vidéo, le meilleur endroit pour apprendre à faire de belles vidéos, pas chères et qui rapportent gros. Si vous êtes nouveau, je vais vous demander de vous abonner. Bah oui, parce que je publie de nouveaux tutos chaque semaine. Tous les liens qui sont mentionnés dans cette vidéo sont dans la description et restez bien jusqu'à la fin parce que je partagerai mon meilleur conseil pour vous aider à monter vos vidéos beaucoup plus rapidement. La première étape, c'est de vous rendre sur la vidéo que vous voulez modifier dans YouTube et de bien vérifier que vous êtes connecté avec votre compte. Vous cliquez ensuite sur « Modifier la vidéo » et dans le menu à gauche, vous allez vous rendre sur « Montage ». Votre vidéo est ici, elle est séquencée en petites images qui vous permettent de vous y retrouver un petit peu. On a donc le son ici, l'audio de votre vidéo. Vous avez ensuite un calque qui vous permet d'ajouter des écrans de fin et un autre calque qui vous permet de flouter certains passages, on y reviendra. Votre vidéo principale apparaît ici et en utilisant votre souris, vous pouvez soit lire la vidéo, vous pouvez revenir en arrière de 10 secondes, avancer de 10 secondes, régler le volume sonore. Vous pouvez aussi choisir la vitesse à laquelle vous voulez que la vidéo soit lue et vous pouvez décider de la visionner en plein écran. En haut à gauche, vous pouvez annuler ou rétablir. Si vous avez fait une erreur, vous pouvez revenir en arrière en appuyant sur annuler. Vous pouvez aussi revenir sur ce que vous avez fait avec rétablir. Vous avez un bouton ici pour ignorer les modifications et revenir à la version originale. Vous pouvez aussi enregistrer les modifications et sur les trois petits points ici, vous avez un accès à vos raccourcis clavier qui vous permettent d'accélérer votre montage. On ferme la fenêtre et on voit ici la possibilité de faire un zoom en avant ou en arrière sur le projet en fonction du niveau de détail dont vous avez besoin. On va jeter un œil à ce bouton couper. Vous voyez que quand j'appuie dessus, on se retrouve directement dans une configuration avec du bleu qui entoure la timeline. Donc ça veut dire qu'on est dans ce mode couper et ça nous permet justement de choisir ce qu'on veut enlever dans la vidéo. Alors vous voyez que ici il s'agit d'un direct. Bon, alors je vous donne un exemple avec ce direct, mais ça peut fonctionner sur n'importe quelle vidéo, que ce soit des préenregistrés ou des lives. Et en fait, sur mes directs, moi je commence toujours avec un décompte de 5 minutes. Et c'est vrai que pour les personnes qui tombent sur les vidéos après en reprise, ça peut être intéressant de retirer ces premières secondes, ces 5 minutes on va dire plutôt. Donc je vais agrandir ici avec la loupe jusqu'au moment où je vois quand je commence à parler. 3 secondes, on voit ici que la musique s'arrête hein, sur comment le repère visuel audio. Et si j'appuie sur play. Qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Ok, donc c'est ma petite blague, super. Et donc, on est bien sur le démarrage de mon live. Et alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer le début jusqu'à mon repère visuel ici. Voilà. Et je vais appuyer ensuite sur diviser. Une fois que j'ai appuyé sur diviser, si je reviens avec mon curseur dans la partie que j'ai supprimée, que j'appuie sur lecture, on va voir que ça démarre directement à l'endroit où j'ai demandé. Qu'est-ce qu'on mange ce soir ? On voit aussi que je commence un petit peu trop tard, donc je vais essayer de faire un peu de fine-tuning et démarrer un petit peu plus tard. Pour ça, je vais recommencer, je vais mettre tout effacé et on va recommencer avec l'option couper. Je vois que je suis plus ou moins au bon endroit ici. Je vais de nouveau agrandir un peu. Qu'est-ce qu'on mange ? Voilà, et je vais me repérer surtout au visuel en fait du son. Là, je vois que je suis bon. Je vais appuyer sur diviser, réduire et je vais tirer de nouveau jusque là. Voilà. À ce moment-là, j'appuie sur prévisualiser et je lance la vidéo. Vous voyez, je peux même la lancer un peu plus tôt dans la partie que j'ai coupée et on y va. Qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Et là, on voit que c'est très précis, ça démarre exactement au bon endroit. On peut garder le même principe pour la fin de la vidéo au moment où je dis au revoir pour éviter qu'il y ait un petit blanc après. Voilà, je vous embrasse et à bientôt. Ciao. Voilà, par exemple ici, on dirait que c'est à ce moment-là que je veux couper. Je vais faire le même principe. Je vais appuyer sur couper la vidéo et je vais juste agrandir. Alors pour me déplacer vers la droite ou vers la gauche, je vais appuyer sur majuscule ou pomme sur Mac et aller avec la roue de ma souris vers la gauche ou vers la droite. Et je tire jusqu'à ce que j'arrive au bon endroit. Et à ce moment-là, j'appuie sur prévisualiser. On voit ce que ça donne. Ciao.
Et voilà, ça se coupe au bon moment. Super. Donc, on a l'intro et la fin qui sont nickel. Maintenant, peut-être que à l'intérieur de la vidéo, on a envie quand même de modifier un passage. Supposons que j'ai fait une erreur à ce moment-ci et que ce soit un passage qui ne m'intéresse pas. Je peux appuyer sur « Couper la vidéo » et à ce moment-là, je vais utiliser justement l'option ici « Diviser ». Une fois que j'ai divisé, je vais tirer de nouveau jusqu'au moment où je trouve que ça repart de la bonne manière. Et je vais ensuite prévisualiser. Et on voit que si je place mon curseur juste avant la partie que je veux supprimer, que je joue, que je lis la vidéo. Ta communauté est en ligne. Rapidement. Il est passé directement de l'autre côté. Super, on a ce qu'il nous faut. Maintenant, si je me rends compte que cette partie-là que je voulais retirer, finalement, en fait, c'est pas vraiment bien, c'est pas ça. Je peux toujours annuler cette division en cliquant sur la petite croix ici. Et vous voyez que ça annule complètement. Et si je me rends compte qu'il y a d'autres passages que je veux effacer, je peux vraiment couper autant de passages que je veux dans ma vidéo. Ici, voilà, par exemple, je vais placer le curseur à un autre endroit, je vais retirer cette partie-là. Voilà, ici, je peux encore le faire à un autre endroit. Maintenant, si je veux revenir en arrière parce que je me rends compte que finalement, ça, c'est pas la bonne chose. Donc, soit je clique ici sur « Annuler la division », soit je reviens ici sur « Annuler ». Je peux aussi tout effacer d'un coup en appuyant ici et reprendre la version comme elle était avant. De nouveau, particulièrement dans un live, je trouve ça très sympa. Moi, dans mes lives, je termine souvent par une session de questions-réponses et ça me permet en fait de retirer donc le décompte des 5 minutes au début et de me dire que la séance de questions-réponses qui n'est pas nécessairement le contenu du sujet de ma vidéo, je peux la retirer et pour les personnes qui vont regarder la vidéo en reprise, ils vont avoir uniquement le contenu qui a été développé au début de la vidéo. Une fois que vous êtes content avec votre édition, vous pouvez donc prévisualiser. Ça vous permet de regarder la vidéo avec les coupes en moins et puis à ce moment-là, une fois que vous êtes content, vous pouvez enregistrer la vidéo. Si vous voulez retourner travailler sur ces coupes et les modifier, vous appuyez sur couper la vidéo et vous voyez que tout est possible. On peut de nouveau faire des modifications. Sur la piste audio ici, vous voyez que vous avez une petite flèche qui vous permet de développer et d'accéder à un espace audio. Quand on clique dessus, on a accès à la vidéo sur laquelle on est en train de travailler, ainsi qu'une série de musiques libres de droit qu'on pourrait ajouter à la vidéo si nécessaire. Donc, vous pouvez classer les titres par genre ici, ou par humeur, par durée également. Vous pouvez les écouter donc en appuyant sur le bouton ici pour lire le titre. Et si la musique vous plaît, vous pouvez l'ajouter simplement en cliquant ici. Vous pouvez déplacer la musique un petit peu où vous voulez dans la vidéo. Et vous avez la possibilité également de choisir plus ou moins le volume de cette chanson. Maintenant, c'est vrai que c'est plutôt aléatoire. Enfin, c'est pas très précis comme outil. Vous voyez aussi qu'à partir du moment où vous voulez ajouter une autre chanson, c'est une autre chanson qui apparaît. Donc, il n'y a pas la possibilité encore d'ajouter plusieurs chansons. Donc, voilà, moi, je trouve que c'est un outil qui n'est pas plus intéressant que ça. À moins que dans votre direct ou dans une vidéo préenregistrée, vous vous rendiez compte, après l'avoir mise en ligne, qu'il y a une chanson qui n'est pas libre de droit. Vous pouvez toujours aller placer une chanson de la librairie YouTube en dessous pour éviter justement que vous deviez payer des droits d'auteur ou qu'elle soit bloquée. Je vais jouer la chanson pour vous donner une idée de ce que ça donne. Vous voyez qu'on n'entend plus vraiment le son de la vidéo. Alors si on diminue ici... Répondre à chaque commentaire, ouais, travailler le titre de tes playlists, ça c'est super. Ça permet quand même d'avoir un petit peu plus le son in de la vidéo, donc ce que je suis en train de dire par rapport à la musique de fond. Mais enfin, vous voyez que la musique de fond reste quand même, le volume reste assez fort quand même, donc c'est assez aléatoire comme outil ici, quoi. Si vous êtes content de cette chanson que vous voulez l'enregistrer, vous appuyez ici sur enregistrer les modifications, sinon vous fermez simplement la fenêtre. Ce calque ici vous permet d'ajouter des écrans de fin. Alors vous pouvez choisir, hein, soit vous avez un modèle, donc ça ce sont des modèles qui sont proposés par YouTube, on va peut-être choisir celui-ci. Évidemment il va le placer à la fin, donc si je zoome sur la vidéo et que je me rends à la toute fin. Donc le bouton s'abonner ce sera pour votre chaîne, évidemment. Le contenu ici vous pouvez choisir si c'est la dernière vidéo mise en ligne, contenu adapté au spectateur ou sélectionner vous-même une vidéo spécifique dans votre catalogue ou sur YouTube. Et ici vous aurez le choix entre la dernière vidéo que vous avez mis en ligne ou alors peut-être une vidéo que vous avez choisie vous-même dans votre catalogue. Vous voyez que vous pouvez choisir aussi directement ce que vous voulez mettre. Donc si vous voulez ajouter un lien, vous pouvez choisir le lien spécifique que vous voulez ajouter. Si vous voulez ajouter
un lien vers une playlist par exemple, ou vers le bouton tout simplement s'abonner. Tout ça s'affiche chaque fois à la fin ici. C'est assez pratique. Et enfin ici, vous avez la possibilité de flouter certains passages. Ça pourrait être intéressant s'il y a des personnes qui apparaissent dans votre direct ou dans votre vidéo et que vous n'aimeriez pas qu'on les voit. Alors vous cliquez donc sur flouter. Vous avez deux options, soit flouter les visages, soit un floutage personnalisé. Donc pour flouter les visages, vous cliquez ici sur modifier. Ici, il est en train d'analyser la vidéo pour repérer les visages qu'il y a dedans. Bon, la vidéo est assez longue, elle fait 1h43, donc ça prend un peu de temps. Et une fois que l'analyse est faite, vous avez les visages qui apparaissent et vous pouvez choisir de flouter certains visages ou pas. Donc c'est assez pratique, mais ça met un petit peu de temps à être traité. Sinon, vous pouvez utiliser le floutage personnalisé. Supposons que je veuille flouter mon visage. Ce que je fais, c'est que donc je sélectionne la partie sur laquelle je veux m'arrêter dans la vidéo ici avec le bouton lire. Et ensuite, je vais dessiner un petit rectangle sur mon visage que je vais pouvoir bouger. Hein. On peut le réduire un petit peu ici. Voilà. Et on voit que ce rectangle apparaît ensuite ici en dessous. Donc si on revient un peu plus tôt, si c'est de l'artisanat, voilà, là donc on voit, etc., quoi. Donc là on voit vraiment que ça a apparu sur mon visage. Alors, ce que je peux faire, c'est que je peux le rallonger si besoin. Maintenant, si vous vous rendez compte qu'il y a une autre partie dans la même image que vous voulez flouter, par exemple ici mon casque moto, je peux tout à fait rajouter un autre flou. Alors ce qui se passe, c'est qu'on peut pas raccourcir, on peut rallonger, mais on peut pas raccourcir ces parties là si je les bouge. Je peux les bouger comme ça, mais vous voyez qu'il n'y a pas moyen de réduire le temps qu'on passe dessus. Par contre, on peut les rallonger si nécessaire. Donc c'est le genre de fonctionnalité qui peut être intéressante. En effet, si vous avez fait un live, que quelqu'un apparaît, votre enfant rentre dans votre bureau alors que vous voulez pas qu'on voit son visage, bon voilà, c'est trop tard, c'est fait. Si vous voulez pas qu'on le voit en reprise, ça peut être intéressant de pouvoir flouter son visage. Peut-être que vous allez faire apparaître une image ou un passage, un extrait qui va démonétiser votre vidéo que vous voulez flouter. Donc ça, à ce moment-là, ça peut être intéressant. Mais sinon, à part ça, c'est vrai que bon, c'est un petit peu gadget. Vous avez plusieurs options, soit de rétablir version originale, donc si vous ne voulez pas utiliser ce que vous venez de faire, vous pouvez enregistrer comme nouvelle vidéo ou vous pouvez l'enregistrer sur la vidéo qui est déjà en ligne. Une fois que vous avez effectué toutes les modifications que vous désirez, vous pouvez en cliquer ensuite sur enregistrer. Vous voyez que quelques heures peuvent s'écouler pendant que les modifications vont être appliquées, donc les spectateurs auront accès à la version actuelle de la vidéo. Et pendant ce temps-là, vous ne pourrez pas apporter d'autres modifications à la vidéo. Mais par contre, on peut quitter la page tout à fait à partir du moment où on appuie sur le bouton enregistrer ici. Et en fait, les changements vont se faire automatiquement. Alors, il y a un petit truc, c'est que si vous voulez créer une nouvelle vidéo, que justement les modifications ne soient pas effectuées sur la version originale, vous pouvez alors vous rendre ici sur les trois petits points et enregistrer comme nouvelle vidéo. À ce moment-là, ça va créer vraiment une toute nouvelle vidéo avec une nouvelle URL et vous pouvez alors supprimer la version originale. Donc ça, c'est un petit peu à vous de voir ce que vous préférez. Donc vous voyez qu'il y a des fonctionnalités qui sont intéressantes, particulièrement pour les directs, les lives que vous faites sur YouTube. Ça vous permet justement, quand il y a des petites erreurs, de pouvoir aller les retirer. Ça vous permet de peut-être effacer une introduction. Vous êtes un peu trompé, vous allez chercher vos mots, vous attendez que tout le monde arrive. Ça vous permet aussi de couper la fin si nécessaire, de flouter certains passage. Donc je trouve que pour tout ce qui est live, c'est plutôt efficace. Maintenant, pour les vidéos qui sont pré-enregistrées, on voit quand même que les fonctionnalités sont plutôt limitées. Et donc, au fur et à mesure, ça va peut-être continuer à se développer. Mais pour le moment, c'est pas nécessairement là-dessus que j'irai monter mes vidéos. Ça y est, maintenant vous savez comment utiliser l'application de montage de YouTube. Je vais vous expliquer ma meilleure astuce pour gagner un temps de dingue au montage. Ça a vraiment changé ma vie. En fait, quand j'ai quelque chose à dire face caméra, j'y vais étape par étape, phrase par phrase, paragraphe par paragraphe. Je vais commencer avec les premières phrases de ma vidéo. Je vais laisser un blanc avant. Je vais commencer à dire ce que j'ai à dire. Et quand je suis content avec ma prise, la meilleure prise, j'attends vraiment d'avoir ma meilleure prise. C'est pas grave si je la refais 2-3 fois. Mais quand j'ai vraiment ma meilleure prise complète du début à la fin, sur ces phrases-là, je vais taper 3 fois dans les mains. Ça me permet, dans le logiciel de montage, de voir qu'il y a un blanc avant. Je parle, 3 claps après, ça veut dire que c'est la meilleure prise. Je ne dois pas commencer à réécouter toutes mes prises pour savoir quelle est la meilleure. Et en plus, ce que vous pouvez faire aussi, c'est vraiment monter à l'envers. Vous commencez par la fin et vous remontez vers le début. Et à ce moment-là, vous allez prendre uniquement les parties qui sont les meilleures. Si vous voulez aller plus loin et gagner encore plus de temps au montage, j'ai un guide gratuit qui est rempli d'astuces du même genre qui vont vous faire gagner énormément de temps au montage. C'est gratuit, le lien est dans le descriptif ou ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Laissez-moi un petit pouce bleu si vous avez appris quelque chose. Abonnez-vous en activant la petite cloche si ce n'est pas encore fait. Et à bientôt. Ciao.